temps pour s'en occuper. C'est de la faute des écoles parce qu'ils n'ont plus les moyens, parce qu'ils se font couper tous les intervenants. Fait que les profs, ils peuvent pas faire des miracles. Fait que maintenant, c'est quoi la solution? Faites-les jouer dehors souvent. Sérieusement, ça ne règle pas tout. Ça réglera pas tous les cas, mais beaucoup. Chaque école peut voir. Moi, c'était le service de garde qui patchait pour ça. Tous les midis, il y avait la ligue de hockey COSUM. Il y avait du sport. Tous les jours après l'école, il y avait du sport. Fait que, tu sais, il y avait ça parce que le service de garde l'a pris en charge. Mais s'ils peuvent pas, ils peuvent pas. Hey, combien de fois qu'on est rentré de récréation exténuée? Les cours d'éducation physique. Tu sais, après un bon cours d'éducation physique, là, t'avais-tu le goût de faire la semaine dans le cours d'anglais? Moins, beaucoup moins. Mais les puis tu sais, quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde. Tu sais, tu dis, quand on revenait de la récréation, on était brûlés. On mettait un puck, une rondelle molle à terre, puis on jouait au hockey, à kick le puck, tu sais. On se mettait deux mottes de neige, puis on jouait avec nos pieds. Les enfants, direct dans le cours d'école, ils savent plus quoi faire de leurs 10 doigts. Et nous autres, c'était l'élastique. Et ça, si on les empêche pas de glisser, parce que Dominique m'expliquait qu'on empêche les enfants de glisser pour pas qu'ils se fassent mal. Les cours d'éducation physique devraient être obligatoires et revenir dans toutes les écoles une heure par jour, ce n'est pas moins. Et moi, j'ai refusé aux primaires d'envoyer mes enfants dans une école, je ne sais pas, l'internationale qu'on appelle, parce que les enfants arrivent à 5h moins quart. Moi, mes enfants arrivent à 3h à la maison. C'est 45 minutes de devoir. Puis après ça, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils aillent jouer dehors. Il faut que les enfants bougent pour canaliser leur énergie. On a une chance qu'il y ait des Pierre Lavoie. On a juste 3 minutes! Ah, mais une chance qu'il y ait des Pierre Lavoie dans la société qui pensent à ça et qui cherchent des solutions pour c'est faire en sorte... C'est comme scolaire. Il faut qu'il allume le gouvernement. Je suis bien d'accord avec toi. Allez, en musique, voici Marc Dupré, la moitié de tes secrets sur Énergie.